La méthode simple et efficace en interaction avec le groupe instaure la confiance et motive la curiosité. Les sollicitations sont cognitives et sensorielles, visant un objectif, préserver l'autonomie sous toutes ses formes. La comptine et la chanson populaire forment une ronde pour donner naissance aux mémorines. Si la comptine nous apprend à grandir, la mémorine est un réel bénéfice pour la personne vieillissante. M'appuyant sur le fait que chanter stimule la mémoire, le répertoire des mémorines, lui, la réactive, agissant comme une amorce avec la répétition de ritournelles et de petits refrains rythmés, réveillant ainsi les émotions profondes. Notre volonté commune, ce projet, s'inscrive sur le long terme pour que les mémorines soient en EHPAD ou ailleurs ce que les comptines sont à l'école. Je me permets juste un petit commentaire, c'est oui. Que nous qui sommes habitués dans ces jurys divers et variés à être confrontés à l'innovation dans les IoT, l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies, il est certain que vous êtes une digne représentante de l'innovation frugale. Merci à vous. Moi, j'avais envie de participer à cet atelier de Maureen. Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-lère, la chanson nous prend par la main.